Vous regardez RTL. Le surf de l'info. Cyprien Sini. Allez, excellent réveil à 6h43 avec RTL. On va maintenant surfer avec vous, Cyprien, et surtout surfer avec la star du dimanche soir à droite. Oui, Laurent Wauquiez, car après des semaines de campagne à couteau tiré, après un suspense insoutenable, hier, peu après 20h. Laurent Wauquiez qui devient le patron du Parti des Républicains. C'est donc Laurent Wauquiez qui arrive largement. Et c'est Laurent Wauquiez qui l'emporte. Une victoire sans bavure pour Laurent Wauquiez. Près de 75% des voix, tu m'étonnes que c'est sans bavure. Un score tellement haut que même Bernard Accoyer, qui gérait le parti en attendant, a eu un peu de mal à prononcer le mot démocratie en annonçant les résultats. Écoutez. Bonne chance pour la démocratie dans notre pays. Ah, bizarre, hein, il a du mal à sortir. Ou alors il se dit que cette victoire va faire du bien à la démographie aussi. Qui sait, on sait jamais. Hein. Bref, une victoire célébrée comme il se doit par Laurent Wauquiez lui-même, qui, une fois les résultats connus, a annoncé. Ce soir, nous pouvons dire la droite est de retour. Comme il l'annonce en fait déjà à chacun de ses meetings, en fait. Hein. Comme ici, début septembre au Mézin. Qu'ils viennent ici et qu'ils comprennent que la droite est de retour. Ou comme en fait, c'est écrit sur son pupitre, parce que c'est son slogan de campagne. D'ailleurs, en général, quand il tient une bonne punchline, Laurent Wauquiez, il y va. Hein. Il l'use jusqu'au bout, il n'hésite pas à la ressortir, comme on l'avait constaté en superposant un passage de son discours sur Emmanuel Macron prononcé lors de deux meetings différents. Écoutez. Il dit une chose, mais en même temps, il dit l'autre. Le lendemain, il pourra dire l'inverse de l'une et de l'autre. Et il ne faut d'ailleurs pas exclure qu'il ne tienne parole ni pour l'une ni pour l'autre quand il avait dit l'inverse de ce qu'il avait promis. Bon, après, s'il trouvait le passage bon, il n'y avait pas de raison de changer. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça à faire. Il a déjà une vie bien remplie, Laurent Wauquiez. Déjà, il adore conduire, d'ailleurs. Je vais même vous faire une confidence. Il manque des points sur mon permis. Oh, le petit galopin. Et puisqu'on arrive aux confessions étonnantes, niveau activité, il avait aussi déclaré chez Thierry Ardisson, ça. Vous regardez bien YouPorn quand même, non? Comme tout le monde. Voilà. Ah là là, on parle d'un site internet interdit au moins de 18 ans. Après, je vous rassure, le nouveau président des Républicains n'est quand même pas si dilettante que ça. Non, c'est même plutôt un héros. Car quant au Puy-en-Velay, on grille un feu rouge sous ses yeux. N'écoutant que son courage, Laurent Wauquiez se transforme en super lolo. Je les ai donc pris en chasse avec ma voiture. Ils ont grillé un deuxième feu rouge. Je leur ai couru après. J'ai attrapé par le col un des gamins, puis je les ai arrêtés. Et là, je dis, c'est qui le patron? Alors, je ne sais pas si les Républicains vont gagner les élections, mais en tout cas, avec le nouveau boss, tout le monde est prévenu. Il faudra respecter le code de la route. Merci beaucoup, Cyprien. À tout à l'heure, 7h25 avec Yves Kelville, l'élection de Laurent Wauquiez. On va y revenir dans quelques minutes avec Pauline de Saint-Rémy, notre experte, bien entendu.